Allez. L'euro vengeance. Je dois rejoindre l'autre côté. Au niveau supérieur, Jacob. Ah. Cherche la clinique. Vite. Avant transfo. Niveau supérieur, la clinique. Ah oui, je suis redescendu en bas. Te mentir dans les entrailles. Ah, que c'est là qu'il faut tirer. J'ai oublié. Non. Si. Ici. Oula. Ok, non, ici c'est juste un bail secondaire. On avait pas encore. On avait déjà visité. Par là, vite. C'était moi une. Faites votre sélection. Ah, non. Tous les systèmes sont... Mauvaise balle. Paramètres normaux. Oui, le capitalisme, tout ça. Mais ce qui est vrai. Malheureusement. Tous les systèmes sont opérationnels. Paramètres normaux. On en fait des super productions pour amuser les gens. C'est le Suicide Squad. Un Doom. T'étais pas là avant? Avant c'était le plus minier qui rejoint la surface. Pourquoi est-ce qu'il le couvrirait? Je sais pas, mais on doit passer par là pour retourner à la prison. Ok. Ça Dis-moi quel chemin, hein.
Je suis le docteur Kathleen Mahler, et j'ai le plaisir de vous accueillir à la station Arcas. Nous avons hâte de partager nos découvertes avec vous. L'aboutissement de décennies de recherches. À qui elle parle? Pas avec nous. Je vais télécharger ce que je peux d'ici. On se retrouve à l'intérieur du dôme. Ok, bah je fouille. D'accord. Tout a commencé par un appel de détresse. Une contagion mystérieuse se propageant sur Callisto. La symptomatologie était intrigante, mais familière. Une forme d'évolution accélérée, similaire à celle découverte à Paramo. Si nous pouvions comprendre la maladie, alors nous pourrions la recréer. Et ainsi, percer le secret de l'équipe Paramo. Après avoir sécurisé le site, ils ont construit un laboratoire. Le lore. La prison. Le lore aux oubliettes. Une base de recherche avec sa réserve de cobaye. Des petites flûres. Pour ça que Black Iron a été construit. C'était une sorte d'expérience. Après des décennies de recherche, la récompense est enfin à notre portée. La source. Là où tout a commencé. Un nouveau chapitre audacieux de notre projet. Vir Solidarus. Ouais. C'est gros. Une forme de vie extraterrestre, libérée par les mineurs qui ont pénétré l'océan souterrain de Callisto. Elle était morte lorsque nous sommes arrivés, tuée par les forces de sécurité. Mais dans sa carcasse, nous en avons trouvé des milliers. Vecteurs primaires de maladies pour le pathogène biophage. Nous avons collecté des spécimens jusqu'à notre laboratoire central sur Orbe. L'agent pathogène a agi comme un accélérateur d'évolution, transformant les colons en des brutes sans cervelle. Ok. Sauf un, dénommé Sujet Zéro. Il a en quelque sorte obtenu les avantages de la contagion. Plus de force, d'endurance et de longévité, tout en préservant son intellect et son humanité. Bien qu'il ait été tué par les forces de sécurité pendant l'épidémie, son corps a été transporté au laboratoire de Black Iron, formant la base du programme de recherche original. Oh mon Dieu. Certains. Toi et moi, on a les affaires anglais. C'est pas crevé. Tu peux le voir, les choses ont changé. Jacob, j'ai accès à la surface. J'essaie de l'ouvrir. Ouais, j'ai un peu pour nous. Aïe, 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 aïe. Ok, je peux pas full esquive. D'accord. Non. Moi aussi je peux taper très fort. Aïe. Elle essayait juste de t'aider, mais bientôt, elle nous rejoindra. Tout va bien? Tout va bien. On y va. Bon, pas la première fois. Moi aussi, j'ai reçu plein de choses dans la bouche. Cette plateforme, elle nous amènera à la surface. C'est vrai que je suis mal en point. Ouais, donc oui, ils ont dû cacher ça dans notre cargaison aussi.
promis de les arrêter. Je vais pas me transformer en une de ces choses. Non, 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 ça n'arrivera pas, ok? Hein? Hé, on va arranger ça. Comment? On s'en tient au plan, on va rejoindre la tour du gardien. On doit pouvoir inverser le processus. On n'en sait rien. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais on va pas abandonner maintenant. On va finir ça, ensemble. Ok? Ok. Allez! Allez, debout! C'est bon? Pour l'instant. Tu vas avoir besoin de ça. Ok? On y est presque. Plus que quelques pas. Faut du soin. Je reconnais pas cette zone. Où est-ce qu'on est? Allons voir. Ouais. Impression UJC. Passez une journée unie. J'ai du soin. Allez, go. Impression UJC pour tout. Peut-être des balles de sang. J'ai mon argent. Un petit peu de muni. Ah, peut-être encore. Peut-on jamais. Passer une journée unique. Merci. C'est que 4 par 4. Ah ouais. Ah bon bah. Ça me fait un gros chargeur quoi. Je me rapproche, Cole. Je suis proche de comprendre le biophage, d'exploiter ses capacités comme le sujet zéro. Mais il me faut plus de temps. Non. Ce qui s'est passé sur Europe... était une tragédie. Était une révélation. La prison est en pilote automatique. Tous les systèmes sont foutus. Oh. J'y suis presque. Bonne idée. Le signal du directeur est toujours actif dans la tour de contrôle. On peut le rejoindre. J'espère que ça existe encore les bombes nucléaires là-bas. Je m'occupe de la porte. Je pense qu'on va en avoir besoin. Retournez dans vos. Non mais t'es sérieux? Non mais. De tour. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vrai qu'on a fait un tour. Hein. Sécurité. Dany est avec moi. Où est-elle? Le laboratoire au cœur de la prison. Il surveille tout, mais nous pouvons discuter ici. Je peux vous amener au directeur. Je peux la guérir. Je peux vous aider. Vous? Vous avez mis ce truc dans mon cou et maintenant vous voulez m'aider? S'il vous plaît, vous devez vous dépêcher. Trouvez-moi, Jacob. Comment? Il y
a une pièce qui mène à une zone normalement interdite aux détenus et aux gardes. Trouvez-la, et je m'assurerai que le chemin soit libre. J'ai pas trop confiance, vu que c'est elle-même qui l'a créée. Ok, let's go. Je vous ouvre la voie. J'espère que ça ira vite pour la rejoindre. Il a rien. UGC pour tous vos besoins. Ouais. Il me faut le bail. Enfin, quoi. Celle des serveurs. Je vous entends. Charge. J'aime bien quand je vois pas le coup qu'il me donne. Bon, il a esquivé. Ok. Même pas le temps en vrai. Non.
Impression UJC. Passez une journée unie. Ah mais ça va être long. Vu qu'il y avait que... Ouais, il y a un truc là. Il y en a plein. D'accord. J'ai besoin de munitions. Ok, oui. Reviendez. Retourner en cellule. Bon, peut-être. Ça va plus vite. L'endroit semble plus vieux que le reste de la prison. Aïe. On va utiliser cette arme là en attendant. Oh non, j'ai oublié.
Bah non, je l'avais écrasé. Oh là là. Arrière ! Démon ! J'avais pas vu. Qu'un seul chemin, madame. Me prenez pas pour un débile, s'il vous plaît. Ils sont partout. Qu'on voit. Oh non, it's not the time. Deux secondes. Bon. Je répète malheureusement, bon ça va faire un sou, mais problème technique, problème internet la dernière fois, on n'a pas pu se finir correctement, on aurait dû. Et je... Ok, on recherche tout. D'accord. Pour la mitraillette, et je crois qu'on était un peu plus avancé, mais continuons directement. La matraque. Ah non ! Je me doutais. Oh oh, toi, non. Oh, j'ai moins perdu que la dernière fois, ça va. Donc laisse-moi revoir un petit peu. J'ai pas d'électricité. Moi, je veux le petit arc électrique. Ah oui, je crois que c'est toi. Encore. Scoop. Ah
Est-ce que vous, c'est en vie ou pas? Je vérifie toujours. Ça, pourquoi là? Esquive. On a plus de balles. Le bon. Non. Ah, il y a un truc à récupérer. Rien. Oui, il y a la docteure qui nous dit ouais, faut aller là-bas pour qu'on soigne Micheline. Est-ce qu'elle est possédée par le miasme. Elle vient. Pourquoi j'entends encore des bruits. Faut que je fasse économie quand même. Est-ce que c'est par là la suite, la vraie suite? Tac, c'est qu'elle touche. X. Toujours les passages en mode. Ok, non, ça passe pas. Je peux pas passer de l'autre côté. D'accord. Boum, boum, boum. Oh, est-ce qu'il y aura encore le tentacule qui veut m'inséminer dans la bouche? Ah, j'étais sûr. C'était un bébé. Il a disparu. Les deux. Je les ai fait s'envoyer à travers le mur. C'est beau. Ouais, mais en buguant ces connards, ils... J'ai perdu des PV, ils m'ont pas donné de loot. Je suis colère. Toi.
J'en étais sûr. Oh, il a muté vite. Mais je suis un petit peu blessé quand même. Oh. Il me faut un fusible. Comment ça? On n'a pas vu. Il est où? Là-haut? Ah, vous, vous revenez! Ok, d'accord, c'est... Ouais. Vous buguez et après vous reprenez votre vengeance? Je suis toujours là, si tu veux, le baston. Boum! Attendez deux secondes. Ok, le micro il a l'air mieux. J'espère. Continuez d'avancer, Jacob. Oui, madame. Bien, madame. L'état de Danny s'aggrave. Vous devez vous dépêcher. Tiens bon. J'arrive. Et tu. Oh. Un vilain monstre. Oh là là. Après deux semaines au sein du programme, le sujet 324-980 présente des améliorations physiques remarquables, bien que son état mental se dégrade rapidement. Signalez le sujet à Malheur. Peut-être qu'avec ça, Cole vous laissera en paix. Fort. D'abord. Peut-être. Ah ah! Pour ça, faudra que je remonte. Est-ce que le fusible était pour en haut? Je suis pas sûr que je puisse. Après peut-être le récupérer pour au cas où.
Donc il y a des choses intéressantes. C'était... Ah, j'ai envie de crever. J'ai pas fait gaffe. C'est qu'on aime bien les conduits. Vous êtes presque arrivés. Surtout, ne vous arrêtez pas. Okay. Oh non. Il n'y a rien. Impression UJC. Ah, vendre ça, on en a pas besoin. Ça non plus. Des balles de quoi? C'est canon. Ça, c'est le peupon. Batterie. Peut-être enlever un soin. Qu'est-ce qui serait pas mal? En vrai, why not, hein? Veuillez patienter, impression en feu. Impression terminée. Et lui, stabilité... J'ai pas assez... Ça, ouais. Et ça. Est-ce que le gant? Je garde mon fric. Ça sert à rien. Mutant. Attends, je reconnais cet endroit. Ah, qu'on est au début. T'es aussi dégueulasse. Impression. Après, on avait vidé pas mal. Mais c'est tous ces machins là. Ah, il y avait le robot. Faut que je fasse gaffe. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Avec ses hélices. Et où? Ah, t'es relâche toi. Ah,
Waouh. Quoi? Tant que ça de munis. Et c'était passé quelque chose, d'où le coup que j'ai pris. Un peu bizarre. Bébé mutant. Bébé mutant. Je suis même pas choqué. Sujet zéro. Ah oui. Système défensif mis hors tension. Merci. Allez-y, entrez, maintenant. J'ai bien fait de me mettre sur le côté au cas où. Vous m'entendez? Y a pas de sang, y a pas de contamination ici. Vous m'entendez? Je peux l'entendre dans ma tête. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Ça s'appelle un communicateur. On te parle dans l'oreillette. Du. Expériences bizarres et douteuses. C'est Mister X. C'est comme un... Nemesis. Qu'ils essayaient de voir combien de temps il leur fallait pour se transformer. Ça a l'air d'être encore... Enfin, ils sont là, mais ils bougent pas trop. Ils ont l'air moins vénères que les autres qu'on a pu voir.
Mais il devait être là depuis pas encore depuis beaucoup plus longtemps. L'expérimentation sur les prisonniers. Évidemment. On va mettre fin à tes jours. Combien de fois ils ont fait ça ? J'ai pas le droit. L'UJC était aussi derrière tout ça. Ce n'est qu'un inhibiteur pour ralentir l'infection. Vous pouviez la guérir, non ? Je peux, avec votre aide. Mais vous devez me faire confiance. Vous perdez du temps et elle n'en a pas beaucoup. Ok, ok, faites ce que vous devez faire. Bientôt, tout sera clair. Et si vous commenciez par tout me raconter ? Vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur Europe. Je sais pas ce qui s'est passé sur Europe. J'étais pas là au moment de l'attaque. Non, mais elle, oui. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment... Oui, on sent. Comme vous voulez. Vous avez fait quoi ? Je vous ai donné ce que vous vouliez. La malédiction du savoir. Votre corps est maintenant lié au sien. Du moins, il le sera une fois la synchronisation terminée. Le transfert ne sera pas immédiat, mais ces souvenirs combleront les lacunes. Vous aurez les réponses que vous cherchez. D'accord. Dites-moi comment la guérir. Vous pouvez utiliser ça pour synthétiser un antidote, mais vous devrez extraire un échantillon de l'alpha du directeur. Sans quoi ? Le but de cette... folie. Son protocole ridicule. Au cours de l'épidémie initiale, un colon connu sous le nom de Sujet Zéro a démontré une capacité unique à synthétiser le biophage, à le contrôler. Oui, j'ai entendu ça dans l'enregistrement, un spécimen plus grand, plus fort. La phase suivante de l'évolution humaine. Malheureusement, il a été tué pendant la stérilisation d'Arcas. Et maintenant, le directeur cherche à reproduire les conditions de l'épidémie originale. Dans l'espoir de recréer le Sujet Zéro en tant que Sujet Alpha. En libérant le virus dans la prison. Comme il le disait, l'évolution ne se produit pas dans un laboratoire, mais dans la nature. Comment il peut faire ça ? Il pourra pas couvrir cette affaire. Il n'agit pas seul. Il fait partie d'un groupe. Datant de plusieurs siècles, il cherche à guider le progrès de l'humanité. Elle se réveille. Soyez prudent, Jacob. Une fois synthétisé, l'antidote contiendra la seule essence pure de son alpha. Il la voudra plus que tout. C'est la clé de tout ce qu'il cherche. Et vous, dans tout ça ? J'ai joué mon rôle dans toute cette histoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Ma place est à Black Iron. C'est toi ? Oui, viens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune importance, on a ce qu'il nous faut. Allons finir avec ça. Allez. Peut-être lui dire vite fait où est-ce qu'elle est. C'est comme si quelque chose était dans ma tête. Elle essaie de prendre le dessus. Tiens bon, on y est presque. Que tu es. Hey, t'as vu ça ? Mais quoi ? Non mais je suis contaminé moi aussi. Là, rien, on pourrait continuer. L'ascenseur est droit devant, il devrait nous amener à la tour. Les échos du passé.
Ouais, c'est... Mais, laissez-moi voir sa tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La dernière chose... Temps de chargement, je ne sais pas. C'est ces robots qui nous ont attaqués. Alors, nous aide à trouver un remède. Petite conjonctivite. J'ai pas le choix. Ouais. Moi non plus. Style. Ouh. On se met bien? C'est quoi tout ça? C'est certainement pas l'UJC. Ah, il y a même protection anti-vol. Corps tombant, ça permet de casser la glace. C'est un classique, mais c'était bien fait. Assez stylé. Ah, je peux pas sortir mes armes. Bah oui, après je suis dans l'esprit de Danny. Enfin, les souvenirs. Vous êtes maintenant dans les souvenirs de Danny. Vous pouvez voir ce qui s'est vraiment passé sur Europe. Un échantillon provenant d'un de nos laboratoires. Une tragédie qui a inspiré tout ce que Cole fait ici, à Black Iron. Pharmacie. Oh, c'est des vélos, ça. Oh, il y a encore des parcs-mètres. Magasin de tatou, hôtel. Plaisir pas. Mais wow! Lâche-moi! De quoi tu parles? Tu vois? Est-ce que tu vois? Un Rubik's Cube! Non, j'ai pas. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Ce qu'on a ne nous regarde pas. Allez, on a un contrat à remplir. C'était notre faute. Lily. C'est comme ça qu'elle est contaminée depuis le début. Je suis désolée. J'ai essayé de te protéger. Tu méritais pas ça. L'Europe n'était pas une attaque terroriste. Ils ont trafiqué les images pour cacher ce qu'ils prévoyaient de tester à Black Iron. Et la cargaison qu'on a transportée a joué un rôle à chaque fois. J'aurais pu arrêter ça. Mais je l'ai pas fait. T'as fait un mauvais choix. Comment est-ce que tu comptes arranger ça? Mitige. Jacob, qu'est-ce qui t'arrive? Hey, allez, allez. Je peux pas. Je peux pas. On y est presque. Non. Je peux le sentir. L'entendre dans ma tête.
Ok, reste ici. Je reviendrai quand j'aurai le remède. Je peux me débrouiller. Fais-le payer pour ce qu'il a fait. Bah après, il a été complice sans le savoir. Il savait pas exactement... Je doutais que c'était un peu la marchandise bizarre, mais... Est-ce que tu vas... condamner le postier qui transporte... des choses? Même s'il se doute que, bon... peut-être de la drogue, tu vois. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on voit des balles? Mais une heure passe. Terminé. Veuillez patienter. Impression en cours. Passez une journée unique. Après j'ai moult d'argent. Là, j'en ai 8, j'ai un chargeur. Est-ce que toi, on peut faire ça déjà? Toute utilisation non autorisée de cet élément sera notée dans votre registre de travail. UJC vous remercie de votre productivité. Attends, c'était où? C'était là. Petit balle à canon. UJC, la plus haute qualité. Impression terminée. On a tellement de fusils d'assaut. Passez une journée unique. Veuillez opérer de manière responsable. UJC vous remercie de votre... Prépare à la guerre. Je vais juste en prendre un pour être au max full life. Impression terminée. Et je peux en faire. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu pont? Peut-être un peu pont. Utilisation non autorisée de cet élément sera notée dans votre registre de travail. C'est ennuyeux. Elle va pour ça. À 4. Passer une journée unique. Oh, tu veux pas me faire un petit rabais là? Option indisponible. Allez. Petit rabais. Crédit 4. Honteux. Donc ça max. Ouais. C'est quoi ce bruit? Full life. Ouais, ça on s'en fiche. Vos méthodes sont très brillantes. Vous prenez beaucoup de risques. Le plus grand risque est de ne pas agir, surtout quand le bien commun est enfin à notre portée. Mais j'ai pas fini de fouiller. Et... pile à l'heure. Il approche. Le survivant. Le survivant. Vir Solitarius. Vir Solitarius. Où est l'alpha? Donnez-moi ce putain d'antidote.
Je vais pas la laisser mourir. Votre ami. Je vous ai observé. J'ai étudié votre dossier. Vous n'êtes pas l'innocent que vous prétendez être. Vous avez prouvé que vous feriez n'importe quoi pour assurer votre propre survie. Le survivant, Vir Solitarius. Et vous alors, hein? Ça vous amuse de regarder les gens mourir? C'est ça votre non. protocole? Vous vous trompez, Monsieur Lee. Le protocole n'est pas une question de mort. C'est une question de vie. Notre avenir nous attend là! Notre destin! Mais l'espace nous est toujours hostile. Cette fragile coquille, elle nous retient! Nous devons évoluer si nous voulons survivre. Et maintenant, vous allez tous savoir pourquoi! La preuve que mes méthodes en valent la peine! Une dernière épreuve pour déterminer le véritable survivant! L'humanité! Ça alors, 5, 2, 1, 16, je voudrais te remercier. Au début, je pensais que c'était une malédiction. Mais j'ai compris que c'était un don. Tu vois, le directeur a ouvert les yeux. Il m'a montré mon but. Ah! Bon, après, t'en as perdu tes cheveux, hein. Mais viens! What? Non! On se me paye! Tu fais équipe avec cette vermine de la boue extérieure maintenant! Hop! Ok! D'accord. Pardon. Non, je vais pas pouvoir. Non, mais encore! Voilà, là on cause! Problème. Ok. Recharge. Ah non! Je me suis tué.
tuer tout seul. Ok. Parfait. Non, ça a appuyé sur le bouton. Ah non, mais ton truc de zone là, honteux. Fuite. Cours. Yeah. Pensez nous avoir vaincus. Ferris était faible, un vaisseau imparfait. Cet échantillon est la clé pour débloquer un rêve vieux de plusieurs siècles. Ce n'est pas un échec, Monsieur Lee, c'est le progrès. Et il m'appartient! Non. Je ne crois pas. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de jouer au héros. Laissez l'échantillon et partez. Il y a une capsule de sauvetage là-haut. Pour vous ramener à la vie que vous aviez. Vous et moi pouvons avoir tout ce que nous voulons. Alors, dites-moi, Monsieur Lee, que voulez-vous ? Je vais vous dire ce que je veux. Je veux revoir ma sœur enfoirée. Un effort courageux. Mais vous le savez sûrement, je ne perds jamais. Non, il y a toujours une première fois. Quel gâchis. Tout ceci pour sauver une vie. Ne pensez pas à nous avoir arrêtés. Les données recueillies ici permettront au protocole de passer à la phase suivante. Quant à vous... Séquence d'autodestruction initiée. Adieu, Mademoiselle Nakamura et Monsieur Lee. J'espère que vous avez apprécié votre séjour à Black Iron. Du réacteur. Allez, viens. Les capsules sont par là. Vite! Faut sauver notre cul! Vite! Et plus vite! Cours! Dépêche-toi! Il me reste 1% de PV. Allez, continue!
joindre les capsules de sauvetage. Espérons qu'il y en a vraiment. On y est presque. Je vois les capsules. Eh bien. Dans les deux sens. Il en a appris plus sur moi. Et j'en ai appris plus sur lui. Dans le chaos du moment, je n'ai pas compris qu'il m'avait aussi donné la preuve que je cherchais depuis le début. Et qu'il a sacrifié sa vie pour que je puisse exposer la vérité. Essayait-il de se racheter pour la douleur qu'il a causée ? Ou était-il juste en quête d'une sorte de rédemption ? J'espère qu'il a trouvé la paix. Jacob, il y a peut-être un moyen de s'en sortir après tout. Sécurité temporaire, cœur du réacteur activé. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Collins II, ou de Cole. C'est eux. Eh oui. Bon, bah, fini. Ah, je l'avais dit, hein. Ça va être court aujourd'hui. Oh, c'était bien cool en vrai le jeu. Même si il y a un truc, une feature que j'avoue que j'ai pas du tout utilisé parce que bon, bof, c'est le viens à moi, le pouvoir de la force. Quoi. Mais oui, après, oui, il peut avoir des remords parce qu'il se rend compte que, oui, c'est lui qui a transporté les choses. Mais après, c'est pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Ça se comprend pourquoi il veut aussi se racheter un petit peu. Mais bon, après, théoriquement, il est là pour... il est un peu... Voilà. On peut pas... Ce n'est qu'un transporteur. C'est Jason Statham. Donc... Bon, ça augure un 2, j'imagine. Heureusement que je l'ai eu gratos. Grâce à, c'était donné avec le PS Plus. C'est des jeux cadeaux un peu à la Epic, donc. Tu vois que le synchro labial c'est pas trop ça des fois. Mais c'est bien stylé quand tu en vrai le gameplay est facile à prendre en main, il est assez facile hein.
Et allez, coup de matraque, t'es là, tu fais... Assez stylé. Il est plutôt bon vu l'ambiance, voilà, mais c'est plutôt joli, je trouve aussi. On a vu pas mal de bugs hein. Encore. Il est sorti en début d'année, je crois, de mémoire. D'ailleurs, dans le Game Awards, il n'y est pas. Il y a Dead Space, un remake qui a une nomination là. Oh, y a du polish à faire, quoi. Surtout ça. Après, c'est vrai que Day One, de mémoire, de ce que je sais, c'est que les mises à mort, tu pouvais pas les passer. T'avais des mises à mort DLC aussi, je crois, un truc comme ça. C'est pas ouf. Parce que j'ai vu qu'il y a un bail de Season Pass, tiens, là, tu fais, mais tu veux... Pourquoi? C'est... Non. Enfin, au secours. Avec le modèle économique, il a peut-être un petit peu douteux. Pour avoir des mises à mort en plus, bon, enfin, si vous voulez, c'est un skin, si tu veux, mais bon, après, l'achetez-le pas, quoi. Alors, combien il a eu? Alphamoso, il a eu 15! Gameplay finalement différent de celui de Dead Space, plus orienté corps à corps. Il est vrai. Oui, parce que c'est par le même studio non, pas même studio, les mêmes créateurs que le premier Dead Space. Donc, tu te sers un peu des armes, tout ça. C'est vrai que. En fait, c'est ça, moi, en vrai. Bon, le bail. Peur, je l'ai pas trop ressenti. Après, c'est peut-être juste moi qui. qui, en vrai. Ah, mais c'est. C'est chaud, c'est ce côté. J'ai plus peur, des fois, dans des jeux qui ne sont pas du tout peur que dans ce jeu-là. C'est en fait, mon cerveau il se met en mode bah, c'est un jeu d'horreur, donc c'est censé faire peur, mais je n'ai pas peur. Je veux dire, le seul vrai truc qui m'a fait flipper un moment, c'est que on marchait et il y a une pustule qui explose d'un coup, et t'es là, tu fais wow, et c'est tout. Les autres points forts, c'est chaque affrontement est un défi intense. C'est du défi, en tant que je ne sais pas. Graphiquement réussi. Animation, effets spéciaux, animation faciale, le gore, il est vrai. Toute l'ambiance du jeu, l'ambiance horrifique est plutôt bien soignée. Pas vilain en mode performance. Je crois qu'on y est en plus en perf. Un rythme soutenu. Oui. Superbe ambiance. La montée en puissance de Jacob grâce à la Reforge. Plaisante. Ouais. Bah, c'est vrai que le truc des armes. C'était. C'est sympa de comment c'est fait et tout, mais j'ai pas trouvé ça. C'est. Je préfère, tu vois, dans les jeux, en mode jeu comme ça, en fait, c'est pour beaucoup d'armes, c'est assez linéaire, et après, t'as un truc en mode, est-ce que tu veux plus de munitions ou pas, enfin, un chargeur beaucoup plus gros. Après, je le fais pas, je crois qu'on l'a fait en facile. Bon, après, bon, voilà,
C'est pour pas qu'on se prenne la tête surtout. Et justement, comme je sais que je le fais en... pas forcément en normal, mais plus en facile. Parce que la plupart du temps, et je pense que ça doit être un peu le cas, c'est juste tu prends plus de dommages et tu fais moins de dommages. Ou ils ont plus de PV. Et c'est un peu chiant, tu vois. Est-ce qu'il y a plus d'ennemis? Peut-être. Dites-moi. Et c'est vrai que... et c'est pour ça que dans ce cas-là, je me mets des challenges. Peut-être avoir un chargeur moins moins gros. Comme ça, moins de balles potentiellement. Voilà, moi j'aime bien. Mais là c'est vraiment linéaire, en mode t'es obligé de passer par là, et donc on a plus vu un truc en mode choisis vraiment ce que tu fais. Point faible, je vois rapidement chaotique quand deux ou trois ennemis attaquent en même temps, en difficulté normale. Mais c'est vrai, on l'avait vu une fois. Et bah après c'était à la reprise. S'il y avait trois ennemis dont un lanceur machin, c'était un peu... t'es là, tu fais... En fait, c'est esquive de loin, t'es, tu fais... T'as pas... Parce qu'en vrai, quand il y en a trois au cac, ça va assez facilement, ils attendent. Tu vois. Ils attendent un peu. Fais des trucs où ils te prennent, ils te remettent en mode... Vas-y, viens de tape. Manque général d'audace dans les armes ni ou... Ouais, les armes, c'est vrai qu'il n'y a pas... Après, moi, c'est plus les points de compétence. Un scénario qui aurait mérité plus de surprises, de peu... ouais, de personnages marquants. Bon, après, bon... quelque chose de discutable de game design. Il n'y a pas de demi-tour partie rapide. Pas de puzzle. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de puzzle. Il n'y a pas de boss. Et un inventaire très limité. Après demi-tour rapide. C'est vrai que en termes de gameplay pur, c'est bien. Après, je me dis toujours. C'est dans la vraie vie, personne fait ça, tu vois. En mode... tu vois. Aussi rapidement, tu fais... Mais bon, c'est un truc... vraiment vidéoludique. Chute de framerate sur Xbox... bon, bah ça, c'est sur PS5. Trop de sas de chargement déguisé. Gain de ventilation, échelle... Oui. Plusieurs problèmes dans la localisation française. Oui, la synchro labiale, ça on avait fait. Souci de son, un petit peu. Mais il n'y a pas eu comme j'ai pu le voir dans Alan Wake 2, des changements vocaux. D'un coup, ça te parle dans une autre langue. Au moins, bon. Après, c'est un truc, la synchro labiale dans les jeux, ça m'a jamais... Enfin... m'a jamais posé vraiment problème. Le truc... Il y en a qui sont... Je sais qu'il y en a qui sont sortis tout de suite... Qui sortent tout de suite. Quand... c'est pas très bien fait. Avoue que moi, ça m'a jamais... causé problème. Bon, après, si c'est vrai qu'il commence, tu vois, il parle et que 5 secondes plus tard ça commence à causer, bon, c'est un peu là, tu fais c'est vrai que je sais pas. Non, après, peut-être moi, hein. Vous regardez la bouche des gens quand ils parlent dans la vraie vie. Peut-être. Je le fais pas. Peut-être pour ça. Mais après, faut le noter. Il est vrai. Mais enfin, en vrai, ce fut fun.
on apprécie. Pas si horrible que j'ai pu en entendre parler. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y aura une scène post-générique, même si on l'a plus ou moins vue, déjà, tu vois? Bon, on va passer. Hein. Non! Nouvelle partie plus. Ok. Ah, bah, en vrai... Mais c'est quoi les continuités? Ouais, c'est ça, Season Pass, machin, final... Il y a tout ça, il y a un skin, bon. Peut-être une extension DLC ou c'est... 14 balles, il en réduit. Bon, enfin. En vrai, juste pour le fun, faites-le.